Yo, c'est Lostar DC2, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, alors c'est le spot trailer de Baywatch. Alors Baywatch c'est... J'ai oublié le nom, le truc avec la plage, merde, en Californie. Bah, j'ai oublié le nom. Alerte à Malibu, voilà. C'est le vrai nom de... Enfin, le nom américain de Alerte à Malibu. Du coup, ils ont prévu de faire un remake. Alors c'est un TV spot qui dure 30 secondes, donc ça durera pas très longtemps. Ouais, donc ils ont prévu de faire un remake avec Dwayne Johnson. Donc bon, on verra bien ce que ça donne, hein. Celui-là, c'est le spot trailer qui est passé sur le Super Bowl, dernièrement. On va voir ce que ça donne. While you're watching the game, they are watching the bay. Welcome to Baywatch. You people are lifeguards, not police. You people. Oh, you don't get to say that. You're just tan. Right on. Come on, brother. Why does she always look like she's running in slow-mo? You see it too? Oh. You going night-night? Ready to do this? Hell yeah. Whoa, whoa, what are you wearing? Freedom. That's desecration. C'est n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. C'est du grand n'importe quoi. Et de toute façon, c'est bizarre. Mais, petit plus, j'ai également la bande-annonce. Deux en un, c'est parti. Trailer 2. Our team is the elite of the elite. The heart and soul of this very beach. We protect when no one wants to protect. And we go above and beyond. This has nothing to do with saving people! These are refrigerators! Oh, this is Baywatch, you pussy! There's more to this job than just swimming. Victoria Leeds, the new owner of the Huntley Club. Drugs, murder. All this started once Leeds took over. I thought we were lifeguards. Everything that you guys are talking about sounds like a really entertaining but far-fetched TV show. Why does she always look like she's running in slow-mo? You see it too? Why'd you try and be a hero? Some Baywatch, motherfucker. You going night night, bitch. Grab my hand. You turned the canals into the goddamn X Games. Yeah, that's because we were in lifeguard pursuit. There's no fucking such thing as lifeguard pursuit. Even if you were police, what you did would still be totally illegal. Okay, well, I mean, it's a good thing we're not police then. Ok, ok. Alors, en tant qu'amateur de films marrants, on va dire ça comme ça, je suis pour. Maintenant, c'est vrai que pour un film Alerte à Malibu, c'est pas ça. Pour un vrai film Alerte à Malibu, c'est pas ça. Maintenant, en tant que film ouais marrant, où on va rigoler, machin, là je suis pour, y'a pas de souci. Je pense que je verrai ce film. Pas au cinéma, parce que voilà, si c'est pour c'est pour voir ça, clairement ça sert à rien. Ça c'est juste un film qui va me faire rigoler, ça va être tout, ça va me faire rire, et puis voilà. Par contre, Zac Efron, le mec, ouais, je sais pas, depuis qu'il a décidé de changer de bord. D'ailleurs, toutes les personnalités Disney, tous les enfants, on va dire, Disney change de bord en étant adulte, mais ouais, non, il m'a l'air... Il gère son film, Dwayne Johnson, comme d'hab, il va faire son The Rock. Donc voilà, dites-moi un peu ce que vous en pensez. Si vous avez vu le premier Alerte à Malibu, enfin l'Alerte à Malibu de base, et si vous trouvez surtout qu'il y a un rapport entre celui-là et le vrai, et le Alerte à Malibu, l'original quoi. Donc voilà, vous me dites ça, comme d'hab, dans les commentaires. Je sais pas où ils sont. Voilà, c'était Losters, comme d'hab. Peace.